par Mike Riley, qui retrouve ses anciens coéquipiers. Faxa remet à Pitlick. Pitlick passe ensuite à Patterson. Son tir est de but! Oh, Niemi croyait avoir capté le disque. Et il est le premier surpris, je pense, que la rondelle a réussi à le déjouer. Et cette rondelle, ben oui, elle est déviée au passage par Radek Faxa. Pourtant, bien marquée par Jeff Petrie, mais lorsqu'on empêche... Voilà la rondelle libre qui est récupérée par Galchenyuk. Galchenyuk remet avec Panin. Et lorsque Galchenyuk gagne le territoire adverse, il repère Lekkonen qui bat Lettonen, son compatriote, et crée l'égalité. Derrière le filet, c'est Stephen Johns qui remet plus loin. Là, De La Rose a été atteint au visage. Et on verra la nature de la pénalité. Et Marc Métod fait tout un travail devant Lettonen pour faire le ménage devant la cage du gardien. Ouais. Passe de Gallagher à Galchenyuk. Voilà Petrie. La remise à Drouin. Le tir et le but! Ça lui en fait deux ce soir. Arturi Lekkonen, c'est 2-1. Se faufiler entre les jambières de Kari Lehtonen qui ne peut fermer l'ouverture. Le tir de Lekkonen n'était pas le plus violent, mais a été décoché de façon vive. Commence. Et le Canadien est encore en supériorité. Oh! Là... C'est un contact genou contre genou. Et Charles Hudon va se relever péniblement. Drouin remet à Petrie, à Galchenyuk. Excellent triangle du côté des Stars. Et notamment Marc Métod qui est en douleur. Le tir et le but! Brendan Gallagher! C'est 3-1! Oh, que ça fait mal à Marc Métod. La passe de Jonathan Drouin est parfaite pour Gallagher qui trouve la partie supérieure d'un tir décoché rapidement sur réception. Et une pénalité supplémentaire à Charles Hudon. Alors voilà les Stars en supériorité numérique en fin de période. Passe devant le filet et le but! Et Jamie Benn va réduire l'écart aussi rapidement. Répliqué dès le départ, mais voilà la contre-attaque des Stars. Mais la passe de Jan Mark rate pour Faxa. Alors, le Canadien, donc, en supériorité avec Sherbach qui s'amène. Sherbach, devant le filet, de tir et le but! Quel jeu de Nikita Sherbach! C'est 4-2. Hamius, lui, est dans le pétrin et ne peut rivaliser avec la vitesse de Nikita Sherbach qui s'en moque. Se moque par la suite de Kari Lehtonen. Radulov passe ensuite à... C'est à Séguin. Là, le tir de Spezza rate la cible. La rondelle revient à Benn. Oh, quel arrêt Niemi! Oh, quel autre arrêt avec la jambe droite! Antti-Niemi, spectaculaire, en situation de 3 contre 6. Il reste 10 secondes. Jamie Benn tire, c'est bloqué. Et un dégagement de Carl Osner. Et le Canadien va obtenir une ovation debout de la part des partisans qui sont encore ici ce soir. Quel performance et surtout quel engagement total de cette équipe ce soir. Vraiment.